Shazam! La fureur des dieux signe un début décevant au box-office. Dès ces films, le public aurait-il assez des super-héros? En tout cas, c'est ce que l'on se demande en voyant les résultats de Shazam! La rage des dieux. 43% de moins que le premier film. Nous faisons le bilan. Un manque d'échec de Shazam pour l'univers étendu de DC Comics. Après les mauvais résultats de la Suicide Squad et Black Adam, Shazam! La rage des dieux vient de signer un nouveau fiasco pour la franchise au box-office. Avec 30,5 millions de dollars aux États-Unis et une cumule 65 millions pour son premier week-end d'exploitation. La continuation du film 2019 n'a pas fait l'objet ramener la foule dans les pièces. Le troisième mauvais départ l'histoire l'UEDC. Devant le Suicide Squad et Wonder Woman 1984. Mais derrière les oiseaux proies. Un échec qui est en partie expliqué par les mauvaises critiques et les premiers commentaires. Concernant le film Shazam. La rage des dieux Sust notait 52% les tomates pourries et 47% sur 100 Metacritic. Votre contenu se poursuit ci-dessous. Ant-Man 3 n'a pas obtenu de succès retentissant au box-office. Marvel Studios au-delà cas particulier l'UEDC, qui confirme sa lente agonie. La partition Shazam 2 semble indiquer une lassitude du public vers les films super-héros. Ou moins pour ceux qui n'ont pas dimension d'événements importantes, comme Spider-Man No Way Home, ou une proposition forte comme le Batman. Même Marvel récente a marqué le plongeon et enregistré des résultats moins impressionnants que d'habitude, avec 470 millions de dollars dans le monde. Ant-Man et la guêpe Quantumania signent l'un des scores les plus faibles de MCU, alors que Black Panther Wakanda Forever est clairement en retard par rapport au film original. Si tous ces chiffres représentent évidemment beaucoup d'argent, le genre super-héroïque n'est plus le pari sûr du box-office américain qu'il était une fois, et devient progressivement un colosse avec les pieds d'argile. Les productions Next Marvel DC devront prendre des risques et de nouvelles idées s'ils veulent convaincre les spectateurs de se déplacer pour une autre aventure entre les sexes. Scream 6 Creed 3 confirme le test. Scream 6 est en train de s'établir comme l'un des plus grands succès de la franchise. Spyglass Media Group dans le reste du box-office. Scream 6 est en deuxième position et a glané 17,5 millions de dollars supplémentaires à grimper. Accumulé 76 millions aux États-Unis et 116 dans le monde. Après avoir signé meilleur début franchise horrible, film devrait l'établir comme l'un de ses plus grands succès dans le monde entier pour devenir plus grand succès la franchise Creed, dont un nouvel opus est déjà en préparation. Saga Rocheuse est évidemment essentielle. Écrit et porté par Sylvester Stallone depuis la première partie de 1976. Elle s'est imposée comme l'une des franchises les plus emblématiques du cinéma. Une référence du genre. Elle a été redémarrée en 2016 avec Creed. Qui est-ce? Michael B. Jordan joue le rôle principal et Rocky Balboa adopte le costume de l'entraîneur. Tous les films de la franchise Rocky. MGM éléments de cinéma.